bonjour, ici Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles. Dans la jungle de la bande FM, c'est 92,1 MHz. Dans les entrelacs de la toile, c'est radiocampus.be. Bienvenue à bord du Midi Express qui aujourd'hui a un invité qui nous vient tout droit du Barlock. On l'accueille dans quelques instants. On ouvre le feu avec Condaola. Invité là en face de moi. Salut Mitch du Barlock. Salut Stéphane de Radio Campus. Voilà, ben écoute, le Barlock, ben il est ouvert déjà il y a deux ans, trois ans. Un an et demi seulement. Un an et demi. Ouais. Voilà, et en fait c'est la réunion de différentes associations. Tu peux nous rappeler ça? Ça a été un peu fait sous l'impulsion de Stéphane de NIAC ASBL, avec qui on faisait des concerts à gauche à droite depuis depuis un an ou deux. Et puis, de fil en aiguille, on a eu cette proposition de lieu via l'ASBL qui est juste voisine tout stand. Et vu la taille du lieu, on s'est dit autant regrouper. Il y avait pas mal de salles qui avaient fermé, par exemple la RTT, la Compilothèque, etc. Donc l'idée c'était un peu de regrouper tous ces lieux qui avaient perdu tout simplement leurs locaux regrouper tout ce petit monde pour être un peu plus capable de faire tourner une telle superficie, quoi. Ok, voilà, je crois qu'on n'avait pas encore parlé de cette historique, de cette genèse plutôt du Barlock sur nos ondes, bien qu'on annonce souvent vos événements. Alors tu vas franchir un petit cap, n'insistons pas trop. Et donc, pour fêter ça, il y aura plein de concerts ce samedi et ce dimanche au Barlock. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, donc, il y aura notamment Condaola qu'on vient de passer. Donc, lui, il est à la fois tchèque et américain, je crois. Oui, c'est ça, il est tchèque et du coup, il est en tournée pour le moment en Europe avec des amis à lui qui s'appellent Permon Ballet Superstar, qui est une espèce de rock psyché qu'on pourrait aller qualifier crowd rock progressif comme ça, chanté en tchèque. Ok, on peut les écouter tout de suite, je crois. Tout à fait. Voilà, on écourte le morceau parce qu'il est très long, je te laisse nous le présenter. Kamini, donc de Permon Ballet Superstar, groupe tchèque, ouais. En tournée avec Condaola. Ok, je vois qu'à l'affiche du samedi, il y aura aussi Edouard, donc j'ai préparé plutôt un morceau, on l'écoute tout de suite. Voilà, on a commencé cette pause musicale avec Edouard. C'est moi qui ai choisi le morceau, donc je vais le désannoncer moi-même. C'est Sick Monsieur sur l'album Attacking Mars. Et les Edouard, je crois que ce sont des abonnés des lieux alternatifs bruxellois comme le Barlock ou le Chaff ou le Magasin 4. Oui, tout à fait. En fait, moi personnellement, je les ai rencontrés il y a une dizaine d'années en vacances en France. Et puis depuis ils ont multiplié les projets parallèles à Edouard. Mais donc voilà, ça reste un de mes groupes que je trouve un peu dans mes grands chouchous favoris et qui en live faut l'entendre pour le croire. Pour ceux qui ont jamais vu, venez, n'hésitez pas. Et Gilly, eux ils viennent je pense qu'ils viennent d'achever une mini tournée avec Chetar et je pense qu'il y aura un nouvel album qui peut-être sera déjà en vente ce soir-là.
Faut voir si il a été fini, fini de, enfin s'ils l'ont reçu en fait tout simplement, mais c'est une question de jour, quoi. Et parmi les membres de Gili Gili Goulag, il y en a même qui travaillent au Barlock, si je ne me trompe. Oui, bah oui, Léa fait partie de l'équipe, Hubert fait partie des ingé-sons. Bah oui, ils font carrément partie de l'équipe, on peut le dire. Voilà, donc on a déjà écouté en fait quatre groupes qui se produiront le premier jour. Je vois qu'il y en a une dizaine en tout, donc on va pas écouter un morceau de chacun, mais tu peux peut-être maintenant nous présenter l'ordre de passage de tous ces groupes. Mais donc le lieu ouvrira à 19h, je sais qu'on n'a pas l'habitude d'être à l'heure pour ceux qui sont habitués à venir, mais bon voilà, vu le nombre de groupes, on va quand même essayer, il y a un horaire précis. Donc, premier concert à 20h30 à Greluchon, qui est en fait Elliot qui chante notamment dans Mammouth, Crête et pas Crête, enfin aussi bien actif depuis quelques années dans le milieu électro-queer-punk. Donc là, c'est un projet solo. Donc de 20h30 à 21h, 21h35, de 9h15 à 22h05, Permod Ballet Superstar, donc les groupes tchèques qu'on a écoutés en début d'émission. Okay. 22h20, 22h40, le jour du Seigneur, duo basse batterie avec Arnaud Pacotte et Benjamin Chaval. Constitution anale de 22h55 à 23h15, c'est un show noise avec Ben, le programmateur du magasin 4. Suivi à 23h30 de minuit, jusque minuit quart, pneumatiquette compresseur avec les frères maçons du magasin 4 également. Avec les voisins. Oui, voilà, c'est ça. Nos sympathiques voisins, comme on dit. De minuit à minuit 40, Edouard. De 1h55 à 1h45, Tattoo Noise Act avec toute la bande des fondateurs de la boucherie moderne. De 2h à 2h50, Gili Gili Goulag, de 3h05 à 4h, voire plus, car il m'a dit qu'il était prêt à jouer toute la nuit s'il le fallait. Kundaola. Donc, on clôture le bal avec Kundaola le premier jour. Oui. Je vois qu'il y aura aussi des DJ. Voilà, qui à mon avis, ce jour-là, n'auront pas le temps de mettre beaucoup, beaucoup de musique, mais normalement, aller de 4h à 6h, on va dire. Et donc il y a Atka, Veni Vidi, Cœur Vert et Vide la salle. Et Vide la salle, bien entendu. Notre ami Peter. Voilà. Qui est déjà venu passer de la musique dans cette émission. Ça voilà. Ne m'étonne pas. Et qu'on remercie au passage. Le prix d'entrée, c'est un prix conseillé comme d'habitude. Là on conseille 7€ vu le nombre de groupes au quand même payer tout. Tous ces groupes qui sont des amis, mais quand même. Et donc, on va faire une espèce de combi ticket pour ceux qui veulent venir les deux jours. Donc ça passe à 12€ les deux jours, si je me rappelle bien. Oui, c'est ce que j'ai dans mes notes. En tout cas, c'est bien cela. Voilà, on va s'attaquer au deuxième jour. On écoute OVO. Donc c'était le Death to Mankind, un groupe qui nous vient de Paris, du label Mon cul c'est du tofu. Label qu'on affectionne particulièrement au Barlock. On a déjà fait jouer beaucoup, beaucoup de groupes issus de ce label. Voilà, et on retrouve souvent les disques de ce label dans la distro de notre ami Antonin, alias Attila Tralala. Ben oui, qui sera peut-être présent ce jour-là, mais en tout cas, il y aura pas mal de distros, vu le nombre de groupes, déjà donc rien que les distros des groupes. Aussi présent, il y aura un stand de nourriture Full Not Bombs, collectif qui fait principalement de la récup et fait à manger sur des lieux alternatifs. Des amis vendront des affiches sérigraphiées de l'événement. Collectif vente de t-shirts, etc. Sera également présent Modus Fiesta avec leurs bouchons d'oreilles, leurs dépliants, etc. Ok, et ces dépliants, de quoi parle-t-il ?
Tout ce qui est prévention par rapport à la consommation, ainsi de produits stupéfiants, ainsi que bouchons d'oreille, préservatifs, etc. Ok, on a encore prévu un petit morceau de musique de nos amis de Chetar. Voilà. Et voilà, c'était Chetar qui passera à 1h10, c'est tard. Je pouvais pas m'en empêcher. Ben oui, je m'en doutais. Donc, tu peux nous présenter Chetar ? Chetar, c'est un groupe, ils sont trois. Nick, Auchan, je ne me rappelle plus les prénoms des autres. Martin et Lotte. Voilà. Et qui ont une présence scénique assez hallucinante, Nick sautant et s'accrochant à peu près à part tout ce qui est possible de s'accrocher et de sauter dessus dans la salle. Donc, ils termineront. Est-ce que je passe en revue l'horaire du jour ou... Oui, bonne idée. Ben voilà. Donc, de 20h à 20h20, Dawamesque, plus connu, qui fait souvent des lives, qui est une émission sur Campus. Sur Panique. Et qui fait des sérigraphies. Qui a un peu un touche-à-tout. Donc là, il va faire un set de Arch Noise avec des cassettes de l'année d'attente, des enregistrements d'attente de l'année 1976, l'année où je suis né, tombé sur Terre. De 20h35 à 21h, le Death to Mankind. De 9h15 à 9h50, Meurtre Fantôme, groupe issu de la scène aménoise qui me font le plaisir de se reformer exceptionnellement pour cette date. Décidément, les gens d'Amiens nous rendent souvent visite. Oui, tout à fait. De 10h05 à 10h25, Krakenizer, un nouveau groupe issu du magasin 4, des bénévoles, plutôt électropunk, on peut dire ça comme ça. De 10h40 à 11h25, les Fabuleux au Veau. De 11h40 à 10h10, Goura. De 12h25 à 12h55, Markai, One Man Band, violoncelle, batterie. J'imagine que les trois quarts des gens qui entendent le connaissent. C'est Motorhead à lui tout seul. Voilà, c'est à peu près ça, oui. Il a la même énergie que les trois réunis. Et 1h10 à 1h35 chez Tard. Et ensuite, la surboom avec les DJ cités qui seront là tout le week-end, en fait. Ok, je crois qu'on a fait tout le tour. Il y a encore quelque chose à ajouter pour ces festivités? Bienvenue, ratez pas ça, parce qu'à mon avis, ça va pas être tous les week-ends comme ça. Pardon Mitch, tu peux répéter? Bienvenue, ratez pas ça, parce qu'à mon avis, ça va pas être tous les week-ends comme ça. T'avais raison Mitch, c'est pas tous les week-ends, et puis depuis que le Barlock n'est plus, c'est encore moins tous les week-ends, et puis on se disait que des groupes amiénois, en fait, on ne les voit plus depuis que le Barlock n'est plus là, depuis que tu ne programmes plus. Par contre, depuis que tu n'es plus là, du coup, on aurait pu espérer avoir encore le pire, mais... finalement, ça a lancé une certaine énergie. Le Mitch Birthday a lieu cette année en ton honneur, le 6 et 7 mai, au 7 rue de la Sam à Senef. Cherchez donc sur une carte. Endroit bucolique, une quinzaine de concerts en deux jours, tout à fait prix libre. Comme tu le disais aussi, c'est sous-titré, tu viens ou tu crains. Ciao, vieux punk.